Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va faire le point sur les dernières infos concernant Dokkan Battle, version globale, version jab. D'abord la globale, le top 1, voilà, qui m'était beaucoup demandé hier soir en live, parce qu'a priori l'application était bien top 1, ce qui est étrange, hein, avec un step-up qui est limité à 200 DS, hein, qu'on peut pas refaire plusieurs fois, peut-être que plein de gens ont craqué, je ne sais pas. Mais voilà, et ça peut pas être truqué entre guillemets parce que l'appli est top 1 sur les stores Apple Store, iOS, donc voilà, c'est genre c'est pas Bandai qui peut inventer le top 1. Bref, donc voilà, c'est assez étonnant. Donc 20 DS en plus, on dit pas non. Hein, je sais plus, ça fait combien en cumulé, on a eu combien, 100 DS peut-être, 50, 30 et 20, je sais plus. Donc c'est cool, une carte cadeau, bon, même si je crois que les cartes cadeaux on est à 5 ou 6, alors que la Jap on avait eu 7. Bon. Ok, salle de gravité, bon, carapace, blablabla. Des fantômes portiers. Voilà, donc un petit top 1 très appréciable. Hein. On dit jamais non à un top 1. Surtout pour ceux qui n'auraient pas fini le step-up, hein, évidemment. C'est un petit peu c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Voilà. Il reste pas beaucoup de temps pour la célébration, les amis. Je rappelle que la célébration se termine la semaine prochaine. Hein. Lundi ou mardi. Hein. What? Hop, on va checker grâce aux dates des machins. Voilà, le ouais, je crois que c'est le 9, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, le 9. En heure PST, donc le 10, hein, donc... donc mardi. Mardi prochain, nouvelle célébration, donc dans la nuit de lundi à mardi, nouvelle célébration. Donc voilà, le TB, vendredi matin, je rappelle. On n'a toujours pas les stats du C17 qui sera offert en récompense. J'espère que ce sera un C17 soit futur, soit je sais même Melfighter, je sais pas, mais de GT, parce que si c'est C17 tout court, autant te dire qu'on va pas s'en servir tous les jours. Hein. Bon, après les cartes TB, souvent c'est pas non plus incroyable, mais bref. Alors, ça c'est une très bonne nouvelle, la campagne Vegeta LR qui arrive, donc là ils sont en train de rusher. Hein. Je veux dire, on attendait les campagnes depuis 20 ans et là ils balancent les deux limite en même temps. Elle va pop dans la nouvelle célébration, hein, finalement, enfin. Elle va pop un jour avant la fin de cette célébration. Donc voilà, je rappelle, hein, si tu as le perso avant que l'émission arrive, tu as, enfin, t'auras 10 DS en bonus et on récupère 20 DS en plus, et les vieux Kai et des orbes. Voilà. Enfin non, en vrai, c'est, tu récupères 10 DS en plus, 3 vieux Kai, je crois. Hein, et après, tu récupères, via l'émission normale, 7 vieux Kai. En fait, ils ont scindé... C'est vraiment des... Enfin bref. Avant, il y avait tout, et après, ils ont scindé, enfin bref. Donc voilà, t'auras en tout 30 DS, 10 vieux Kai, toutes les orbes si tu l'as fait avant, sinon ce sera, si tu le fais pendant la campagne, tu auras en mission 7 vieux Kai, 20 DS et tes orbes, voilà. Donc si vous l'avez déjà fait, tant mieux, si vous l'avez pas fait, bah soit vous êtes chaud et vous voulez le faire avant, sachant qu'il est dispo que le week-end, hein, pour l'instant sur la globale, je crois, je vous conseille pas, enfin vous prenez pas la tête, j'ai envie de dire, hein, soit vous attendez et la catégorie famille de Goku permettra d'augmenter les drops. Ça peut être quand même assez intéressant. Alors, bon, je vais pas refaire les stats de la carte, hein, mais elle est sympa. Elle est plutôt, il est plutôt bon ce Vegeta LR. Petit souci, pas de part au combat. C'est un petit peu gênant, surtout qu'il l'a en version SSR TUR, je crois. Donc c'est un petit peu le troll, hein, chez Bandai. Mais on connaît, hein, on connaît bien ça maintenant. Donc il est cool. Maintenant, concurrence quand même assez rude avec Vegeta MF. Après, je faisais pas Vegeta MF, voilà. Sur Vegeta Tech qui est bon aussi, mais voilà, grosso modo, grosse concurrence avec Vegeta MF. Mais voilà, c'est quand même un très très bon LR gratuit, hein. Franchement, il est vraiment très très bon, il tape très fort, bonne défense, il est vraiment très très bon ce Vegeta, puis la carte elle est sublime. Donc rien que pour la collection, ça vaut totalement le coup de le farmer. Donc je rappelle, hein, 3ème niveau pour les médailles bien sûr, et famille de Goku. Alors au niveau des teams, je vous montre vite fait un petit aperçu de ce que ça pourrait donner, parce que moi j'ai demandé pour Trunks. Alors c'est vrai que pour Trunks c'est un peu galère, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes futures, hein, sur la globale, il y en a plus sur la Jap. Mais grosso modo pour Vegeta ce sera plus simple. Donc je vous montre un aperçu de ce que ça pourrait donner. Alors voilà, vous prendrez Goku Gohan en ami lead, ça peut être très très bon. Après il n'y a pas que ça comme solution, mais ça marche plutôt bien. Et voilà, après ce qu'on a en pool de cartes, hein, donc Goku Gohan en leader pour famille de Goku. Donc ça c'est assez cool. D'ailleurs, pourquoi je vois pas le... Mon Goku Gohan. Ah, j'ai peut-être oublié de le rajouter dans ma liste free to play. Bref, il est censé être dedans. D'ailleurs, j'ai rajouté la version SSR. Donc voilà, vous avez Goku du film Broly. Si t'as pour un LR, c'est fumé. Tu peux prendre Goku. De toute façon, le boss, il fait pas très très mal. Hein. Avec une team en pourcentage, même à 70%, tu vas.
Tu vas l'éclater le boss, hein. Il y a les Goku Junior. Franchement, il y a pas mal de choix. Taradis, t'as Gohan Z, TUR, franchement les amis. Il y a beaucoup de choix. Je rappelle, hein, pour savoir un peu les cartes que vous pouvez utiliser, tu lances le niveau et après le jeu, voilà, il te montre les cartes que tu peux prendre. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, en leader, tu mets le Goku Gohan. Et ça se passera très très bien. Hein. Après, si t'as. Si t'as pas en l'air tout ça, tu fais ça et ça fonctionnera très très bien. Rien de bien compliqué. Hein. Donc voilà les amis, hein, par rapport à ça, c'est à peu près tout. Donc là global, on attend TB et puis vivement la fin de cette célébration qui était certes généreuse. Hein, parce que bon, on n'a pas encore le compte complet, mais on a eu quand même pas mal de DS en cumulé. Par contre, on s'est fait chier, mais limite de A à Z. Hein, c'est... Il y avait quasiment rien à faire. Enfin, si tu droppais les cartes, t'avais quand même des choses à faire, ça va. Et encore, hein, au début. Mais après, c'était fini. Mais globalement, on s'est vraiment ennuyé dans cette célébration. Et vraiment plus que dans d'autres, hein, même si le contenu est un problème sur Dokkan. Mais là, vraiment, on s'est vraiment ennuyé, hein, dans cette célébration. C'était assez incroyable. Alors, on va passer à la version Jap de Dokkan. Battlefield dispo aujourd'hui. Je ferai une VOD tout à l'heure dessus. SV qui arrive jeudi. Donc le 5, toujours pas les stats, donc ça popera sûrement demain, j'imagine. Donc on verra bien, qu'est-ce qu'ils vont proposer avec ce SV. Hein. Je pense qu'ici ça va pas trop bouger, quoique peut-être un 2, non, quoique si, peut-être un deuxième truc sur l'aspect. Ici il va avoir de l'attaque, mais comment? J'espère qu'ils vont pas faire un copier-coller. SV endurance, un boost via les nombres d'attaques encaissées. J'espère que ce sera une manière d'augmenter ses dégâts autrement, parce que sinon c'est vraiment chiant. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'SVJ va devenir meilleur, hein, vitesse époustouflante en plus. Il va sûrement détrôner SV Endurance, mais il restera utile, hein, vu que c'est un leader catégorie bien sûr. Mais à mon avis, SVJ va l'enterrer très probablement. Mais les cartes, vous avez vu qu'elles sont extrêmement proches. Hein, en fait, c'était déjà du copier-coller en fait, hein, à la base. Mais voilà, bon, j'espère qu'ils vont faire un truc un peu différent. Et enfin, une autre information, du coup, on savait pas trop ce qui allait se passer par rapport... au retour de Cell, et en fait c'est et c'est confirmé, hein, ce C17 et cette C18 qui vont avoir un éveil. Elle est où? Ouais, celle-ci. Donc voilà, c'est donc comme quoi, voilà, il va vraiment y avoir des persos qui n'ont pas du tout le même nom sur des ZTUR principaux. Alors voilà, souvent par contre les cartes, enfin c'est même tout le temps, elles ont combat acharné, hein, quand ça se passe comme ça. Du coup on peut imaginer des éveils pour plein d'autres cartes secondaires par rapport à des ZTUR. Mais bon là du coup C17 et C18 qui sont des cartes très 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 anciennes, hein. Date vraiment, il n'y a qu'à regarder, hein, le passif, hein, change les ki en ki arc-en-ciel, attaque plus 40%, voilà. Linkset plutôt sympa, ça va, on a, bon après innocent, voilà, peur et désespoir, combat charné, où c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est des cartes très très anciennes, donc à voir qu'est-ce qu'ils vont proposer, mais par contre le problème c'est que la concurrence est très 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 rude les amis. C17 MVP, C17 Tech est plutôt pas mal. Voilà, concurrence très rude pour C17, donc à voir qu'est-ce qu'il va faire. Après, si c'est une carte qui est orientée différemment, ça peut être intéressant, mais dans tous les cas, C17 MVP en face, c'est un petit peu chaud de lutter. Et C18, bon, c'est à peu près la même carte, hein, sauf qu'elle a attaque et def, plus 30%. À mon avis, les cartes vont changer du tout au tout. Elles vont avoir toutes les deux une base attaque et def. Je pense que ça va être un peu des cartes miroirs, comme celle future. C'est des cartes miroirs, donc on verra bien. Linkset, voilà, plutôt correct, hein. On a quand même du cauchemar, combat acharné, et C18 en termes de concurrence, t'as la C18 du Battlefield qui est quand même très bien, t'as la tech qui est exceptionnelle, t'as l'appui qui a une support de ouf, t'as la tech qui est bien aussi celle-ci, donc voilà, concurrence très 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 rude les amis pour ces cartes-là, donc bon courage pour, les rendre plus intéressants. Alors, voilà, à défaut d'être plus intéressantes, il faudrait qu'ils les rendent différentes dans leur approche et dans le gameplay. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Donc, on va pas trop s'avancer, mais bonne question en tout cas, de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà les amis, je rappelle que sur la Jap, autrement, eh bien, on est presque certain qu'il y a une partie 2 avec un Goku Genkidama LR, donc enfin qui absorbe le Genkidama. Face à C13, mais voilà, en termes de DS, hein, c'est un petit peu la PLS. D'ailleurs, hier, j'ai fait une multi en live, donc j'ai plus de DS, et on a droppé de la merde, hein, on a eu... Enfin, que le CSR garanti, on a eu qui déjà? On a eu... Enfin, je sais plus c'est qui. Mais inutile. Enfin, carte inutile, donc j'étais un peu dégoûté, d'ailleurs, je sais pas c'est quoi. Ah oui, c'est le Battlefield.
Donc voilà, donc je referai certainement une multi sur le portail, une fois que j'aurai Battlefield et ZTR de SV. Et après, bah, ce sera fini, hein, parce que là, le rythme est vraiment beaucoup trop soutenu. Bon les amis, sur ce, on va se laisser là. Petit pouce bleu de soutien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à passer sur Utip. Très très bonne journée à tous, à très bientôt, des bisous. C'est... Yes.